Vous remercie d'avoir honoré de votre présence la cérémonie de présentation du drapeau et de remise des insignes aux élèves de 6e major de la Marine nationale. Pour rappel, le programme de la cérémonie est le suivant. Information en revue. À 19h30, arrivée du commandant de Légion qui s'installera directement à la tribune. À 19h35, arrivée du commandant. La cérémonie comportera 4 temps forts. La remise des attributs d'école aux élèves de 6e, ces attributs seront remis par leurs anciens de classe supérieure. Le baptême de la promotion des élèves de 6e, le nom de la promotion sera choisi parmi les anciens enfants de toutes dont le comportement exemplaire durant la scolarité à l'école exemple.
la présentation du drapeau aux élèves de 6e qui se fera pendant l'allocution du commandant d'école. Enfin, un défilé à pied mettra fin à la cérémonie. Je m'en vais à présent vous parler en 1922, mais c'est en février 1923 que l'école des enfants de troupes de Saint-Louis ouvrit ses portes pour la première fois à l'actuel camp El Hadj Omar, situé au camp Pointe-Nord à Saint-Louis. Les élèves et de notables. Deuxième année, au CM2, et la scolarité était sanctionnée par l'obtention du certificat d'études primaires élémentaires. En 1938, l'école était placée sous le commandement du capitaine Charles Tchoréré. En 1946, l'école prenant de plus en plus d'importance se voit dans l'obligation d'un transfert au camp d'Akarbango, devenu camp capitaine 49. Les études primaires élémentaires sont supprimées au profit des classes de 6e, 5e, 4e et 3e. En 1953, l'école des enfants de troupes de Saint-Louis devient école militaire préparatoire africaine. Le nom actuel britannique militaire Charles Tchoréré, à l'occasion de la célébration du cinquantenaire présidé par Léopold Sédar Senghor. En 1974, il est nommé le premier commandant de l'école sénégalais, plusieurs centaines de cadres militaires et civils sénégalais et étrangers. Thank you.
Cette cérémonie se déroulera en quatre étapes. D'abord, nous assisterons à la remise des attributs. Dans les enfants de troupe, à vos ordres, amiral. Emplacement. Imposés par vos anciens. Oh, combien grands et généreux ces anciens qui ont disposé de tout droit sur vous, vous ont initié à la vie d'enfant de troupe. Une vie d'ardeur au travail, de sérieux dans le comportement, d'humilité et de patience sans lesquelles le savoir ne peut s'acquérir. Ils se sont alors acquittés de ce devoir avec rigueur, guidés en cela par le seul souci de vous transmettre le flambeau de l'école. Maintenez-le haut et étincelant. Dans les examens, les cours, les manifestations sportives, partout où le prytané militaire apparaît. Bleu des classes de 6e. Dans quelques instants, vous recevrez des mains de vos illustres parrains
L'insigne de l'école et le drapeau vous sera enfin présenté. En cet instant solennel, rappelez-vous que vous êtes engagé sur le chemin de la sagesse et de l'honneur, que vous devez former vos jeunes âmes et vos corps frêles afin de demeurer les dignes héritiers des traditions du Britannée militaire. Pleurons de vos nations. Puisez, chers cadets, à la source intarissable des anciens. Méditez la vie exemplaire de notre parrain, le capitaine Charles Tchoréré. Yeah.
parler. Chevalier dans l'ordre du mérite au titre de l'année 2018, le capitaine de frégate Massina est titulaire d'une licence professionnelle en gestion des systèmes industriels et de la production, d'un master 2 en droit de l'homme et pays, obtenu en 2018 à l'Institut des droits. Monsieur le gouverneur de la ville de la région de Saint-Louis, Monsieur le contre-amiral, chef d'état-major de la Marine nationale, représentant du chef d'état-major général des armées, Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs en vos rangs et grades, honorables invités, chers anciens enfants de troupes de toute génération, chers cadets sous mon commandement, je vous souhaite la bienvenue au prétendu militaire Charles Tchororé de Saint-Louis, et plus particulièrement sur ce mythique carré d'armes, témoin silencieux des traditions de notre chère école, où commence à s'écrire l'histoire de chaque promotion d'enfants de troupes en quête de savoir pour mieux servir. Je vous remercie chaleureusement d'avoir fait le dépassement malgré vos emplois du temps chargés et vos nombreuses contraintes, surtout en cette période, pour participer à la cérémonie traditionnelle de présentation du drapeau et de remise des insignes marquant symboliquement la rentrée des élèves de 6e dans la grande famille des anciens des enfants de troupes. Je profite de la tribune qui m'est offerte ce soir pour exprimer toute ma gratitude au commandement d'avoir porté son choix sur ma modeste personne pour présider aux destinées de cette prestigieuse école qui a forgé tant de destins et dont le rôle d'incubateur de cadres compétents et de citoyens modèles imbus de valeurs républicaines se construit au jour le jour et à travers des rites comme celui qui nous réunit aujourd'hui. Je saisis aussi cette opportunité pour remercier les anciens enfants de troupes dont le soutien constant à travers l'amicale, les promotions ou les initiatives personnelles contribuent à améliorer de façon marquée les conditions de vie et de travail des enfants de troupes. La participation à cette cérémonie des promotions de 1971, 1981 et 1991 venait en pèlerinage à l'occasion respectivement de leurs 50, 40 et 30 ans d'intégration témoigne de la solidarité intergénérationnelle qui anime les anciens et leur attachement inconditionnel à ce temple du savoir. La participation à ce pèlerinage d'anciens, des pays amis et d'expatriés le montre à suffisance. Je ne saurais taire l'attention des parents d'enfants de troupes dont la confiance renouvelée est un stimulant pour l'exécution de notre mission. Occulter le rôle éminemment central des personnels militaires, des professeurs et des employés civils impliqués dans l'exécution de notre mission serait un crime de lèse-majesté. Forgeron infatigable du mille-pitant, il participe à garder hautes les trajectoires individuelles, à façonner des destins et à pérenniser le label d'excellence qu'on nous connaît. Je leur exprime ici ma profonde gratitude pour leur dévouement exemplaire et les exhorte à redoubler d'efforts car l'excellence se cultive au jour le jour et l'aboutissement d'un processus d'efforts soutenu. Amiral, la promotion que vous avez devant vous a intégré l'école le jeudi 23 septembre 2021. Elle est forte de 76 élèves, dont 50 Sénégalais et 26 ressortissants de 14 pays amis, dont 3 Burkinabés, 2 Camerounais, 2 Congolais de Brazzaville, 2 Béninois, 2 Ivoiriens, 2 Gabonais, 2 Guinéens de Conakry, 2 Maliens, 2 Mauritaniens, 2 Nigériens, 2 Tchadiens, 1 Bissau-Guinéen, 1 Centrafricain et 1 Gambien. L'allure qu'elle dégage et la fierté qu'elle affiche à travers les poitrines individuellement bombées sont le résultat d'un long processus de formation marqué par des privations, des sacrifices et des changements d'habitude pour se conformer à la rigueur des activités d'initiation. Ces chers enfants de troupes de la promotion capitaine de frégate Mohamedou Lamine Massina, la réussite au concours très difficile du prétendu militaire est la cause de vous inspirer
et vous servir de boussole. Le travail éloigne de trois grands mots, l'ennui, le besoin, le vice. Le deuxième conseil est la discipline. Valeur bien sénégalaise et communément partagée qu'on trouve dans l'expression Wolof Yad Aktegin. La discipline doit toujours irriguer vos actions. Il ne faudra jamais perdre de vue que vos parents vous ont inculqué cette valeur et qu'il conviendra de la perpétuer et de la transposer dans votre nouvel environnement familial d'adoption. Vous êtes ambassadeur de vos familles aux Britanniques. La résilience. Durant vos 7 ans de scolarité, il vous faudra être résilient pour affronter les rigueurs de la vie britannique, les règles de la vie en collectivité et la lourde responsabilité qui a été confiée à votre commandement implique de vous imposer des privations et de vous pousser à donner le meilleur de vous-même. Si un jour il vous arrive de sentir cela comme une galère, il faudra être résilient pour aller de l'avant et atteindre l'objectif de réussite qui vous est fixé. L'originalité. Derrière l'uniforme de chaque enfant de troupe se cache une histoire unique. En d'autres termes, les enfants de troupe viennent d'horizons différents. Il ne faudra jamais perdre de vue cela. Le comportement grégaire de la vie en commun peut vous pousser à commettre des actes ridicules que vous pourrez regretter. Pour vous en prémunir, il faudra être vous-même et conserver les valeurs que vos parents vous ont inculquées. Le suivisme peut vous être fatal. Le respect. Au-delà du respect que vous vouez à votre personnel d'encadrement, il faudra accorder beaucoup d'égards à vos professeurs, au personnel de soutien, mais aussi aux équipements et infrastructures mis à votre disposition. Des décennies après avoir quitté l'école, j'ai pu mesurer les investissements colossaux que le commandement a consentis pour vous mettre dans de très bonnes conditions. Je peux dire sans me tromper que le Britannique est la seule école à avoir autant d'attention de la part des autorités dans la durée. Il vous faudra donc préserver les équipements mis à votre disposition. Ils ont été payés par les impôts du cultivateur, de l'ouvrier, du militaire, bref, par l'argent du contribuable sénégalais. La prévoyance, la construction de votre avenir a commencé hic et nunc. Dans votre promotion de 76 élèves, vous avez le même traitement, vous avez les mêmes chances, mais vous aurez des fortunes diverses après le baccalauréat. La construction de vos avenirs post-britanniques commence en sixième. Il ne faut jamais l'oublier. L'esprit de camaraderie. Vous avez la chance de faire partie des meilleurs élèves qui ont été sélectionnés lors du concours de 2021. Dans votre promotion, vous occupez après le baccalauréat des stations diverses et la solidarité entre enfants de troupes sera mise à contribution dans vos différentes activités. Sans être opportuniste, il faudra dès maintenant jeter les bases d'une amitié sincère, mue par la vérité, la solidarité, l'esprit de camaraderie. Gardez-vous de faire du mal à vos camarades de promotion et aux plus jeunes quand vous serez anciens, car il y a des blessures qui ne guérissent jamais et l'enfant n'oublie jamais. La distraction. Apprenez à être heureux. Vous avez la chance de vivre dans un environnement qui offre beaucoup d'opportunités. Trouvez-vous des occupations saines qui pourront vous rendre heureux. Si vous excellez dans un domaine, allez-y à fond, mais n'oubliez jamais que votre raison d'être au Britannique, ce sont les études. Neuvième conseil, la réussite. Vous devez réussir car vous faites partie des meilleurs de votre génération. Attention, rien n'est gagné d'avance. La réussite implique de construire des garde-fous grâce aux valeurs que vos parents vous ont inculquées et de mener une bataille quotidienne contre le sommeil, les tentations, la fatigue, la distraction inutile. Elle doit vous suggérer de faire plus que les autres et de vous inspirer de vos anciens qui se sont hissés aux plus hautes stations grâce à leur sens élevé du devoir, leur engagement et leur ardeur au travail. Dixième conseil, l'esprit enfant de troupe. Soyez imprégné de l'esprit enfant de troupe. Cet esprit, vous le trouverez chez notre cher parrain, le courageux capitaine Charles Tchororé. C'est celui qui fait mourir par conviction. C'est celui qui fait que vous ne devez avoir peur de rien si le ciel s'assombrit, car vous avez en vous les ressources pour faire face. C'est celui qui fait que, malgré l'esprit potache qui peut vous animer parfois, vous êtes respectueux de la hiérarchie et vous vous investissez avec panache dans tout ce que vous faites. C'est celui qui fait que vous savez faire la part des choses, vous laissez aller quand les circonstances l'imposent, mais aussi être sérieux quand il le faut. L'esprit enfant de troupe, c'est l'application intelligente et équilibrée
des 9 conseils précédents. Cher cadet, pour avoir côtoyé votre parrain, le capitaine de frégate Mohamedou Lamine Massina, je peux vous assurer qu'il s'était fait sien les conseils que je viens d'évoquer. Brillant élève qui s'est toujours distingué par ses excellents résultats, couronnant d'une mention bien au baccalauréat, il était l'incarnation de l'esprit enfant de troupe dont je vous ai parlé. Doté de qualités humaines exceptionnelles, il avait un sens unique des relations et était une synthèse accomplie des valeurs que l'on attend d'un officier. Très généreux, il était très impliqué dans l'action humanitaire, comme l'atteste son soutien constant aux enfants en situation de vulnérabilité à travers l'association Maïko. Il a incarné l'esprit Djambar à travers sa résilience devant les épreuves, son goût de l'effort et son abnégation à exécuter la mission confiée malgré les contraintes. Je vous exhorte à vous inspirer de lui. En le choisissant comme parrain de votre promotion, je vous invite à perpétuer les valeurs qu'il incarnait, à cultiver son souvenir qui, selon le mot du général De Gaulle, n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, mais est un ferment toujours à l'œuvre dans les actions des vivants. Cher cadet, vous allez maintenant être solennellement présenté au drapeau, celui de votre école. Je profiterai alors de cette occasion où nos familles, anciens et invités sont réunis dans une communion des cœurs et des esprits pour délivrer la traditionnelle leçon rituelle de civisme qu'ont reçu tous vos devanciers. Tous ensemble, rendez-lui les honneurs qui lui sont dus avec amour et recueillement. Capitaine de frégate Mohamed Lamine Massina, il est là votre drapeau, le nôtre, encadré de sa garde comme pour témoigner de sa pureté et flottant dans toute sa majesté, il est sacré. Il vous appartient dès lors de comprendre parfaitement son sens et le message qu'il vous communique pour mieux l'aimer, le respecter et lui rendre tous les honneurs. Vous le reconnaissez sans doute, mais il faut apprendre à le connaître. Il est composé de 3 bandes verticales égale et aux couleurs évocatrices. Le vert, couleur de l'espoir, ici l'espoir d'un peuple qui a foi en son avenir, en sa jeunesse, aux potentialités réelles et nombreuses. Le jaune, couleur de l'or, symbole de la richesse, il évoque notre aspiration commune à un avenir épanoui et radieux. Le rouge, couleur du sang versé, symbole de l'amour et du courage, mais aussi marque de dévouement et de défi. Le dévouement à la nation et défi contre tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Il est frappé sur la bande jaune d'une étoile verte à 5 branches, symbole de l'unité, de l'ouverture et du progrès. Sur l'une des faces, vous pouvez lire « République du Sénégal, britannique militaire Charles Tchororé ». Sur l'autre, il est inscrit 2 devises
celle du Sénégal, un peuple, on but une fois, et celle des armées, on nous tue, on ne nous déshonore pas. La première devise est l'incarnation des valeurs cardinales qui fondent la nation sénégalaise et renvoie au commun vouloir de vie commune, qui est le ciment de l'unité nationale, à la construction de la nation sénégalaise et à notre volonté de relever tout défi présent et futur. Quant à la devise de l'armée sénégalaise, elle évoque l'esprit guerrier et chevaleresque qui anime chaque militaire, ainsi que le refus du déshonneur qui a toujours irrigué le sang des anciens, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger. Le drapeau est attaché à une hampe en bois, anoblie par une flèche dorée, à laquelle est accrochée une cravate aux couleurs nationales. Jadis signe de ralliement sur les champs de bataille, il est le témoin et en même temps le catalyseur de tous les hauts faits d'armes qui jalonnent notre histoire militaire. Quelle que soit sa matière, satin, soie, lin, popeline, coton, c'est son sens qu'il faut saisir plus qu'autre chose. Si sa sacralité renvoie à l'immunité, c'est sa mystique qu'il doit nous pousser à une introspection qui recherche l'excellence permanente. Ici même et partout ailleurs, lorsque retentira la sonnerie de montée et de descente des couleurs, laissez tout dans l'immobilisme profond du garde-vous, vous entrerez en communion avec ceux-là même qui nous ont ouvert le chemin de l'honneur. Distillez autour de vous tout le sens qu'il évoque et tout le respect qu'on lui doit. Tout à l'heure, derrière votre drapeau, sous le regard admiratif et attentif des invités, vous défilerez fier et altier, le pas sûr et le geste franc pour sceller votre attachement au drapeau et en même temps rendre hommage à votre encadrement et vos anciens qui n'auront ménagé aucun effort pour faire de vous des enfants de troupe. Amiral, je saisis cette opportunité pour présenter à l'ensemble des invités ici présents et au nom des officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'école mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Que notre étendard qui illumine la nuit soit votre compagnon en 2022, car il revigore si l'incertitude nous tenaille et son ombre protège telle une cuirasse. Que sa lueur apporte réconfort à nos parents, amis, collègues et cadets alités et éclaire nos salles où nous prions pour nos disparus. Devenez-y, je vous remercie de votre attention, savoir pour mieux servir, on ne tue, on ne nous déshonore pas.
Thank you.
Contre-amiral Omar Wade, chef d'état-major de la Marine nationale. Vous venez de présider la cérémonie de la distribution des attributs aux sortants du critère militaire de Saint-Louis. Est-ce que vous pouvez revenir sur la cérémonie? La cérémonie de remise des insignes et attributs et présentation de drapeau aux élèves des classes de 6e de l'Université militaire de Saint-Louis est une occasion pour l'encadrement du Pitané, pour les parents aujourd'hui, ce matin, c'est-à-dire ce soir, en présence des autorités administratives, des parents, de rappeler aux jeunes qui viennent d'entrer au Pitané après un concours sélectif, c'est quel est le sens de la vie, quel est le sens de la vie d'un enfant de troupe. Comme l'a rappelé le commandant d'école, la vie en communauté, la vie en partage, après 3 mois d'initiation, aujourd'hui, on leur permet d'avoir donné un sens à la vie dans la communauté qui sont appelés à établir ensemble pendant la durée de leur scolarité. Ces gens qui ont été recrutés, qui venant des pays divers, qui ont des origines différentes, ont mené une vie d'anciens enfants de troupe, décliver ensemble un esprit enfant de troupe. Et tout le sens de la cérémonie de ce soir, qui est une étape importante, car il montre leur admission dans la famille des enfants de troupe. Des enfants qui vont à coup sûr devenir des dirigeants du Sénégal de demain. Effectivement, le Pitané militaire est une école, on le savons tous, qui a une tradition de sélection. Cette sélection permet de former des enfants, de venir inculquer une éducation, évidemment, après un plan de vue académique. Mais il n'y a pas que cette éducation en plan académique. Ici, il y a des valeurs qu'on cultive, c'est des valeurs de solidarité. On a trouvé à cette promotion un parent qui doit être un modèle, qui doit les inspirer tout le long de leur cursus. Le capitaine de frégate Mohamed Lamine Massina, qui est aujourd'hui le parrain de la promotion 2021, qui est un officier marine qui était pétri de valeurs humaines, qui était un exemple pour ces jeunes qui viennent d'intégrer la famille des anciens enfants de troupe, qui viennent d'entrer dans cette école qui est une école confiée aux forces armées sénégalaises et dans laquelle nous construisons des citoyens de demain. Donc il s'agit de leur donner non seulement leur donner les capacités à affronter les difficultés de la vie et d'être capable de mener une vie en communauté, et sur le sens de la vie de la cérémonie de ce soir, qui est une cérémonie qui marque les anciens, les enfants de troupes, de leur arrivée ici, après 3 mois d'intégration dans lesquels ils ont eu à interagir avec leurs anciens qui les ont précédés dans eux, et qui les apprennent à connaître comment la vie en communauté se construit. Qui va faire le résumé, la cérémonie de taille, il va vous présider. La cérémonie de taille, c'est tout le chef d'état-major général des armées, pour Djiteko. Donc, il y a une autorité administrative région de Saint-Louis, et qui lui fait les enfants en 2021. Cérémonie de taille, c'est qu'il y a des enfants, nous avons un ex-concours pour mettre pour l'école. Nous avons un CNI-MEN-MEN et nous avons un CNI. Nous avons un CNI-MEN et nous avons un CNI-MEN. Nous avons un CNI-MEN et un CNI-MEN. Nous voulons faire des citoyens. Les citoyens qui connaissent les dialogues et les dialogues. C'est ce que nous faisons. Nous devons faire des mag. Nous devons les préparer. Nous devons savoir les dialogues et les dialogues. C'est ce que nous faisons dans cette cérémonie. Té wutal nañ ñeen tamit ko xamni ci mëna ñoray ci mom ñu tuddé Cap Mohamed Lamine Massina comme officier de marine la won xamni ñepp xam nañ pass passam xam nañ tamit ak ñu farlo ci liggéey ak yéene jim amone ci dimbali doomu adama yoyu valeur lañ ñeen bëgg ñu inspiré wu ci pour xamni aduna liggéey waye dimbali tamit amal ndariñ sa communauté amal ndariñ ñu nga dëkkando. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une cérémonie. Nous avons fait une cérémonie.
da ngay def sant lay carton ba mëna dugg ci école bi waye xam xam bi amna solo trop waye xam xam bi rek du defar nit ñuy defar fi ñoo bëgg defar nit ñoo xam ni xam nañ ni aduna di doxé xam nañ ñen jafé jafé nga jakkanto ci aduna sa jakkanto dafa jakkalo jafé jafé yoy nan ngay fexé ba résoudre ko lolou nak sokoy def tamit dañ leen di mag dañ leen di ta dañ leen duggal ci fo xamni fi école bo xamni ñom la nga nit ñi fu nek lañu jëg ci Sénégal am nañ tan ñu fekk seen natanga yo xamni duggal nañ ci seen dëkk dëkk yoy yépp nak moy tax li nga xam so magge ci ay ci environnement bobu dina tax na ubbeeku ci aduna xamni aduna ñu ngi dox ak ñi nga dëkkandol nak ngeen mëna saxé ba def liggéeyndo ensemble seen dëkk nak ngeen saxal ba liggéeyndo ensemble continent africain. Merci beaucoup. Et vraiment, nous remercions énormément. Merci.